Je crois qu'on peut dire que la soirée se passe bien. J'aimerais bien appeler les directions adjointes qui sont présentes ce soir pour un petit mot pour les élèves. Je tiens déjà à vous remercier d'être si nombreux ce soir. C'est vraiment une belle marque de reconnaissance pour vos enfants. Et je crois que ce soir, ils l'ont bien rendu. Ils ont vraiment fait un service exceptionnel. Ainsi que les chefs. Ça fait vraiment plaisir pour tout le monde. Je passe la parole à Madame Beltour. On se tait en salle. On se tait, ne nous pas. Allez. Doucement, doucement. Un peu de calme. Toi aussi. Quatrième édition. Eh oui. Cette soirée est née d'une idée d'élèves en parcours, donc des élèves de 3e, 4e, qui avaient envie d'inviter leurs parents parce que voilà, ils avaient envie de montrer leur travail. De cette idée, donc, il y a 4 ans, on a rassemblé, je pense, 80 personnes. Et 4 ans plus tard, nous sommes à 232. Qu'il y a entre l'école et les parents. Et j'irai même plus loin. Nous parlons beaucoup de stabilité dans l'école, qui est le gage de la réussite scolaire des enfants. La stabilité, nous pouvons la comparer à un triangle. Un triangle, géométriquement parlant, a la caractéristique d'être un élément stable, puisqu'il a 3 pôles. Le premier pôle, ce sont les enfants, ce sont les étudiants, ce sont les jeunes, qui tous les jours donnent de la peine pour leur apprentissage. Le deuxième pôle, ce sont bien entendu les professeurs qui s'investissent dans la même direction. Et le troisième pôle, chers parents, c'est vous. C'est vous qui avez fait le choix ce soir, et au quotidien d'ailleurs, je l'espère, de soutenir vos enfants. Ce sont eux qui ont prouvé leurs compétences aujourd'hui. Grâce à M. Callen, ce chef d'atelier et son équipe, nous avons eu l'occasion de les faire rapprocher de la cour des grands, puisqu'un banquet tel que celui-là, ça ne s'improvise pas. Merci en tout cas de votre présence et merci de les avoir soutenus. Je rajouterai encore, pour rentrer quelque peu dans le détail, puisque l'enseignement qualifiant, c'est une richesse. C'est une richesse de collaboration entre plusieurs disciplines, on vous l'a dit. Il y a bien entendu, et c'est le plaisir de la dégustation, l'ensemble de la section hôtellerie du deuxième degré qui a contribué, les troisième et quatrième années. Mais également dans la décoration des tables, la section travaux de bureau, dans l'accueil, la section accueil, dans l'horticulture, la section qui a permis la décoration florale, les plantes, etc., et l'environnement agréable de ce soir, mais également tous les aspects techniques, ce que sont la logistique des tables, des chaises, etc. Et de nombreuses petites mains, et permettez-moi de les qualifier comme étant très grandes, parce qu'elles sont indispensables, mais elles travaillent souvent dans l'ombre, ont porté leur contribution pour la réussite de cette soirée. Alors, si vous avez encore envie d'applaudir, de grâce, applaudissez vos enfants. Je veux dire, des professions qui n'ont rien à voir.